Bonjour, donc je m'appelle Fanélie Caraconte, je suis directrice du pôle coopération chez Enercoop. Acheter son électricité à une coopérative d'intérêt collectif, pour moi ça change tout. Ça change tout d'abord parce qu'on est dans une coopérative qui a un modèle économique bien spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération des actionnaires, il y a une lucrativité limitée. Et puis aussi, Enercoop, c'est une coopérative particulière, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça, c'est une forme de coopérative très innovante, puisque en fait, toutes les parties prenantes de l'entreprise sont ensemble dans la coopérative et forment ensemble la gouvernance. Les consommateurs, les salariés, les producteurs, les partenaires, c'est une autre manière de concevoir l'entreprise, c'est une autre manière de concevoir la coopération, c'est vraiment très innovant et c'est vraiment, ça s'appelle intérêt collectif et c'est pas pour rien, on est vraiment sur des projets partagés. Devenir sociétaire d'Enercoop, c'est très important aujourd'hui, d'abord parce qu'on a besoin de davantage de sociétaires pour que notre projet soit plus fort, qu'il soit plus puissant, pour qu'on soit plus nombreux à le défendre, parce que c'est aussi la garantie de l'indépendance de la coopérative. Les sociétaires prennent des parts sociales au capital de la coopérative et ensuite ils sont décisionnaires sur les orientations de la coopérative, donc c'est nous-mêmes qui finançons et qui décidons, donc cette question d'indépendance elle est très importante. Et puis enfin, c'est important de devenir sociétaire d'Enercoop parce que c'est un projet génial, c'est un projet très ambitieux, c'est un vrai projet de société. Enercoop, c'est pas que un fournisseur d'électricité, c'est avant tout une organisation qui a envie de s'investir pour la transformation de la société autour de la transition énergétique. Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que c'est important de devenir sociétaire d'Enercoop.